Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là, par la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Joie au ciel, exulte la terre, la masse de la mer mugit. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville
et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Commentaire de Faustin de Rome. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Notre Sauveur est devenu vraiment Christ ou Messie dans son incarnation, et il demeure vrai roi et vrai prêtre. Il est lui-même l'un et l'autre, car il ne faut en rien diminuer le Sauveur. Écoutez-le dire qu'il a été fait roi. J'ai été constitué roi par lui, sur Sion, sa sainte montagne. Écoutez encore le témoignage du Père affirmant qu'il est prêtre. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Il est donc, par son incarnation, sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et non matériellement. Ceux qui, chez les Israélites, étaient prêtres et rois recevaient une onction matérielle d'huile qui les faisait prêtres et rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres. Chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi. La perfection et la plénitude totale appartiennent exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la loi. Bien que chacun d'eux n'ait pas eu les deux titres, cependant parce qu'ils avaient reçu matériellement l'onction d'huile royale au sacerdotal, on les appelait Messie ou Christ, c'est-à-dire oint. Tandis que le Sauveur, qui est vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit pour que s'accomplisse ce qui a été écrit de lui. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction avec l'huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Il est au-dessus des compagnons qui portent ce nom de Christ, à cause de l'onction, parce qu'il a été consacré avec l'huile de joie, qui ne désigne pas autre chose que l'Esprit-Saint. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi.
d'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversé sur moi. Du roi des rois, déversé.